So, for today's recipe, you'll first need a well-sharpened knife. But also a big frying pan. Let it cook over an open fire. Salut à tous, on se retrouve pour découvrir une toute nouvelle série, c'est My Friend Pedro, c'est sorti courant de l'année 2019, c'est le même éditeur que la série des Hotline Miami, jeu que j'aime beaucoup, c'est très arcade, il y a une très bonne bande son, et je pense que là on va être un petit peu dans la même veine. Hé, hey, réveille-toi. On commence en endormi. C'est beau dehors. Voilà notre héros. Salut. Et du calme. C'est moi Pedro, ton ami. T'étais dans les pommes, ça va mieux. Premier jet de doigts. Bon oubli. Partons d'ici. Où que nous soyons. Ok. Alors si un Hotline Miami privilégie la vue d'au-dessus, là la vue ça sera de côté. Ah regarde, tant à Salto Mural, à le prochain étage. Donc là en fait on est dans le cas d'un didacticiel, je pensais. Voilà, d'accord, je pense qu'on est obligé de passer par là. Alors le jeu possède un modificateur de vitesse, par contre il faut avoir terminé le jeu une première fois pour pouvoir le faire. Pour ceux qui ont vu certaines vidéos notamment sur Steam, où on voit un rythme effréné du héros. Quel irresponsable là. Un crétin a laissé traîner son pistolet, alors moi ça me va bien. Hein. N'importe quel fou pourrait le ramasser et s'en servir pour faire n'importe quoi. Bon, ça tombe bien, je suis un peu taré, ça y est on a notre arme. On devrait pouvoir s'enfuir en empruntant un conduit d'aération. Alors nos balles sont infinies par contre. Une petite tournicotie par contre, comment je fais pour recharger? Ok voilà. Ok. Là pour le didacticiel. Oups, c'est Mitch le boucher. Ça me fait penser dans Hitman, il y avait un mec comme ça qui était un peu bizarre dans l'espèce de boucherie désaffectée. Son établissement sert de couverture à son trafic d'armes. La viande est principalement constituée de rats, de pigeons ou de gens dont la tête ne revenait pas. Putain, c'est crade. J'imagine que ça explique ce qu'on fait là. C'est pas drôle. Plutôt calme ce soir. Ne... Oh putain, il est beau avec son tablier. N'interromps pas en plein travail, crétin. La cargaison est prête, hein? Presque. Hein. Bande de feignasses. Je vais leur apprendre à tirer au flanc. Va me chercher le tête bidoche en train de moisir au sous-sol. Soupir. Il vient vers nous. Tu vas devoir l'éliminer. Prêt? Ah, double gun maintenant. J'imagine qu'il va falloir tuer tous les autres maintenant. Ah bah c'est le bal ou...
Ouais, la sensibilité du stick est super importante hein, pour bien viser. Hydrate comme il faut. Tu m'as l'air un peu pâle. Viens, hein. Je t'emmène dans mon repère, on va te remettre sur pied. Non mais t'es rapide, hein. C'est là que je suis quand tu me vois pas. Quelque chose à te montrer, bouge pas. Ça c'est stylé. Hein. Donc là sinon, quand tu actives la concentration, c'est comme si le temps ralentissait. Un petit peu à l'image de Max Payne. Quand la concentration est activée, tu peux réaliser des vrilles en l'air. Et c'est... Alors, concentration... Reste sur le marqueur. Retravailler tout ça. Hein. Maintenant, exécute une vrille complète au ralenti tout en tirant sur le vase inestimable hérité de ma grand-mère. Parfait, prêt pour la botte secrète. En tenant deux armes, tu peux séparer ta visée. Alors là, j'ai hâte de voir comment ça se fait. Tire sur ces deux vases en séparant ta visée. D'accord. Grand A, une vraie machine de guerre. Bon, on est tétons. D'accord, on revient... le coup de main mais après c'est pareil le système de vue faut arriver à repérer là où il y a des murs et là où faut passer, c'est pas toujours évident avec les couleurs. T'es sûr de toi? T'inquiète, c'est tourelle s'installe presque toute seule. Il suffit de prendre ce truc, de le mettre là. Oh, super. Alors, pas le choix, tu dois esquiver ces balles. D'accord, on peut faire des petits tournicotons, ça a l'air de. Garde en tête que tu peux utiliser cette technique pour esquiver n'importe quel projectile. Alors, c'est bien ce que je pensais, on est dans la vieille ville, Mitch fait la loi ici. Ah, j'ai cru qu'il se relevait l'autant de mérite. Thank you.
Oups. C'était pas prévu qu'il se repointe, lui. C'est pas de bol, hein. Ah, on peut frapper les gars au corps à corps, ok. Petit coup de tatane. J'ai pas encore le l'esquive, mais en fait c'est mon positionnement de doigt sur la gâchette de changement de visée. Faut que je change de doigt parce que sinon ça me... Je ne peux pas esquiver... Ça c'est plaisant une fois qu'on... Oula. On a plus à l'aise. C'est se méfier de des portes que... En fait, elle lui fout un coup de tatane s'il vous laisse relever. Niveau terminé. Forcément, on fait pas des temps de ouf les premières fois qu'on joue. Alors, le chemin le plus rapide pour quitter la vieille ville passe par le restaurant gastronomique de Mitch à l'autre bout de cette zone industrielle. C'est vrai que si on tournicote pas, on prend de plein fouet les balles. Hein. C'est vrai que je pense pas à utiliser le ralenti. Fais attention si ça se recharge. Mieux. Alors, c'était un quartier très vivant avant que Mitch le boucher ne s'installe. Ce que je disais, des fois on voit pas très bien le...
prendre de risques. Hein. Puis au milieu de tout ça, faut penser à recharger. Oh merde. J'ai senti que j'allais me retrouver bloqué. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain, falloir sauter là-dessus. Ça me paraît tendu là l'affaire. Ah merde, j'aurais dû. J'aurais dû tournicoter. Là, j'ai fait n'importe quoi. Comment je fais? Non. Ah bah non. Bon, il savait que c'était délicat. Merde. Putain. Il y avait un petit cœur. Un combo qui est tombé, faut dire que avec tout ce petit monde à buter. Go fini. Pas facile la fin. Pas facile. Le restaurant gastronomique de Mitch le Boucher devrait plus être pas très loin. Nouvelle arme. Je voulais pas trop ouvrir la porte et je préférais tirer de manière préventive. Hein. Attention. De nouveau deux armes. La puissance de feu qu'on a, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Attention, on a un peu de monde.
Ah, j'avais pas fait gaffe, on a un nombre de balles limité quand même. Merde, j'avais pas vu que c'était un... Oh putain! Ah c'est un... Ah, c'est grillagé du dessous. Alors ça par contre c'est un gros défaut. C'est assez compliqué de bien voir les textures sur lesquelles on peut tirer et les autres. Là dans mon affaire. On va lui tirer dans les pattes. On va de nouveau reprendre nos doubles usines qui sont quand même extrêmement efficaces. Ça, franchement, ça s'accroît. Hein. C'est un niveau pas facile, hein. On sent que c'est grimpé d'un cran là. En fait, on aurait peut-être dû tourner à gauche, super. Qu'est-ce que ça? Approche-toi à la corde pour t'y accrocher. C'est frustrant quand on est juste à côté du mec, on tire dessus et que les balles ne comptent pas. Il est mort, je le voyais remuer, je me disais qu'il était pas mort. Oh putain, attention. Quand même stylé, hein. Frustrant de niquer toutes ces balles contre une pauvre caisse de merde.
concentration. Notre petite infiltration. Je te parie un biscuit que tu ne peux pas botter le ballon dans le panier. Oups, j'ai mangé tout le biscuit, l'enfoiré. Je double, je parie que tu peux pas éliminer ce gars avec le ballon. Bah, de toute façon, j'aurai rien. Violent. J'ai utilisé mon ralenti parce que j'ai cru qu'il était mort et en fait il était mort. J'ai bientôt plus de balles. Hein. Oh, il y a des explosifs. C'est quoi qu'il a balancé là? C'est une tête? C'est un corps. Oula, attention! Je n'ai tout plus de balles. Tirer dessus là-haut, non? Dommage, j'aurais pu l'avoir avec le. Je peux tirer là-dessus? L'avoir lui pour l'instant. Putain, j'avais pas vu que le grillage était percé. Son baril d'essence de pas se faire sauter avec. Alors là, avec les perspectives, c'est...
que c'est merdique. J'arrive pas. Comment j'arrive à... Ouais, non, ça me prend la tête, là. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Là, je vais pouvoir y aller. J'arrivais pas à bien me repérer. Ça me donnait l'impression que je pouvais passer de l'autre côté, mais en fait, non. Je ne pouvais pas. Déjà, on arrive à tuer tout le monde. Par contre, ouais, le reste, c'est pas ça. Hein. Ah, il nous dit voilà, le restaurant gastronomique de Mitch le Boucher. Ouais, c'est excellent. Par en dessous. Oh putain, j'ai cru que la porte était ouverte, donc j'ai défouraillé en préventif. À cause, hein. Parce qu'il vaut mieux éviter les lasers. Oups! Oh putain! Pop, pop, pop! Failli passer l'arme à gauche. C'est peu de vie, c'est peu de revue. Ah, il a très bien bouché là. C'est mon patron. Elle est chargée, prête à partir. C'est pas trop tôt, hein. Et je vais voir ce fugitif se transformer en viande hachée à mon retour, bande de feignasses. Putain, il va me filer entre les doigts, ce bâtard. Parfois, ses insultes me font du mal. Oh, le pauvre. Un brigand au cœur tendre. Bon, on peut rester un peu ici. Et profiter de la musique. Regarde, il y a une moto en haut des escaliers. C'est notre ticket pour la liberté. On sent là-bas, c'est la barbaque.
Prenez les autres, chopons-le. Ça, c'est cool, hein. Ça va être un peu plus compliqué là. Un peu de balle. Mitch le boucher, ça y est, il est là lui. Putain. Plus de balles. Nice. Bon, on y va. Va falloir faire profil pop un moment. Direction le quartier 0. On n'y croisera personne. On pourra rester là-bas le temps que les choses se passent. Ah, j'ai l'impression qu'on va faire un meilleur score pour une fois. Est-ce comme spécial? Fin du chapitre Old Town. Et trophée également parce qu'on a décroché un rang S.